vous avez voté pour les World Championships de Zweifel. Et à la deuxième place du classement, c'est le Brésil qui est sorti. Si vous voulez savoir ce que les Lausannois pensent du Brasileiro, venez avec moi, les Carinho. Brésil. Waouh, le Brésil. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Brian? Copacabana. C'est ça, il est là. Rouge, toi, et puis encore? Et puis encore à la Caipirinha. Et sinon, la danse brésilienne, quoi. La Coupe du Monde. Et le soleil dans mon cœur, les plages, l'esprit, voilà. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Laurine? Les gros culs. C'est pas faux. C'est pas faux. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te viennent? Oh, la danse, les paillettes, les plumes comme ça, les gens qui font comme ça. La danse, la samba. La samba. Samba. Le oui, samba. Ensuite, autre question, gastronomie brésilienne. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais envie de manger, de goûter, de boire si tu devais aller au Brésil? Alors, le seul truc brésilien que je connais et que je trouve hyper bon, mais je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'est quand tu vas au resto et qu'ils te donnent toutes sortes de viandes là. Ah, sur les brochettes. Et puis ça s'arrête pas en fait, puis ça c'est servi avec des haricots noirs et de la banane un peu. Banane plantain? Voilà, et ça c'est trop bon. Alors là-bas, il y a un truc qui s'appelle la picanha. C'est un assortiment plein de viandes en fait. Tu payes un tarif à la base et t'as des viandes à gogo vraiment. Et il y a toutes sortes de viandes, du bœuf, du veau, du poulet. C'est vraiment délicieux. C'est le truc que j'ai préféré là-bas. Ah là là, samba, caipirinha, feijoada, Brasil, ziu ziu. Je crois que les pros des chips de Zweifel ont suffisamment d'infos pour nous faire un truc de malade niveau Brésil. Adeus, mes carinhos.